Ouais, c'est bon. Nous sommes dans le 13e arrondissement de Paris, où Valérie Pécresse lance sa campagne pour les régionales de 2010. Elle espère y battre Jean-Paul Huchon. Son slogan, changer c'est possible. Ça ne vous rappelle rien? C'est quasiment le même slogan qu'avait employé Nicolas Sarkozy pendant les présidentielles de 2007. Ça voudrait dire que pour gagner, il faut qu'elle fasse tout comme lui? Allons voir. Vous venez voir la grande Pécresse? Bien sûr. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Dites-moi Valérie Pécresse, il faut qu'elle fasse tout comme Sarko? Il faut que... Elle fasse tout comme Sarko, elle a pris le même slogan déjà à changer, c'est possible. Ben oui, Sarko voulait changer les choses en France, elle veut changer les choses en Ile-de-France. Moi, j'en ai trouvé un autre. Ah, vas-y. C'est pas Huchon, c'est Huzon. C'est pas Huchon. Jean-Paul Huzon, parce qu'il est un peu usé. Je crois que c'est un bon slogan et qu'il y ait une filiation présidentielle ne me gêne pas du tout. Au contraire, c'est un atout supplémentaire. Mais quand même, elle est ministre de la Recherche. Elle aurait pu trouver un truc un tout petit peu plus différent que celui de Nicolas Sarkozy. Ben, il n'y a pas de raison de changer un slogan qui marche. Ah d'accord. Donc vous faites tout comme lui et vous pensez que ça va marcher? Non, on ne pense pas tous la même chose et on pense pas tous comme lui. Ils sont bruyants, hein, ces gars de l'UMP. Hein. Quand il y en a un, ça va, mais c'est en groupe qui pose problème. Mais attendez, on va faire la révolution en Ile-de-France. Dis donc, ça c'est un scoop, on va faire la révolution en Ile-de-France. J'ai quand même un scoop de monsieur le ministre. On va changer tout, le système de transport, le système de logement, on va tout changer. Il faudra passer sur Huchon d'abord. Passer sur Huchon. Que d'aventure. Changer, c'est possible? Oui. Changer, c'est possible. Faire tapis, c'est possible alors? Changer, c'est possible. Ça englobe tout. Non, c'est très bien comme slogan. Vous-même, vous envisagez de changer de coupe de cheveux pour 2010? Ouais, moi, je pense changer de coupe de cheveux. Vous faites partie du programme Changer, c'est possible? Oh! Vous voulez qu'on en trouve un autre? Oui. On va faire un effort. Je compte sur vous. Hein. S'il vous plaît. Ah, merci. Tous les espoirs sont là. Bonjour. Bonjour. Votre slogan pour les régionales, Changer, c'est possible, ça ressemble un tout petit peu à celui de Nicolas Sarkozy. Vous n'aviez pas le droit à votre slogan? C'est pas encore un slogan. Ça ressemble aussi un petit peu à celui d'Obama, si vous avez suivi les élections américaines. Oui. Non, mais aujourd'hui, on est dans le temps de la pré-campagne, on est dans le temps du projet. Et ce message, changer c'est possible, c'est celui qu'on veut porter. C'est un message, c'est pas un slogan. Bah visiblement, pour Valérie Pécresse, son but est d'appliquer à la région les mêmes recettes que Nicolas Sarkozy a appliquées pour la France. On peut donc dire que pour l'instant, à l'UMP, l'idée de se démarquer du président, c'est pas possible.